بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح هذه الندوة أو الملتقى الدولي حول قضايا التنمية البشرية في المغرب وما تطرحه التنمية البشرية بصفة عامة من إشكاليات بالنسبة للإحصائيات. السيد رئيس مجلس المستشارين وصديقي العزيز الدكتور محمد الشيخ يدينا، السيدة الوزيرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة أستاذة عمون وصديقتي المحترمة السيدة ستالي السيدات السادة البرلمانيين، السيدات السادة المستشارين، السيدات السادة ممثلي الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ضد التنمية، أصدقائي الأعزاء، سيدات السادة، أود في البداية أن أنبهكم إلى أنه هناك تطلب فورية وبالتالي يمكنكم متابعة العروض سواء بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. مساس قلي مينيستر Les affaires sociales, la famille, les assemblées d'invités, mesdames, messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les représentants des organisations des Nations Unies et des institutions internationales de développement, mesdames, messieurs, et vous, et comme nos amis qui sont ici, qui sont nos amis qui sont venus de l'extérieur, peuvent quand même aussi lui accorder leur amitié et leur estime. Alors que pour parler de ces efforts, des efforts du Maroc et de ses performances, nous nous situons sur le terrain des analyses. À cet égard, à son égard, ni le parti du péché par omission, ni celui de la réserve par principe de précaution. Ne disons pas que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Certes, mais les chiffres ont besoin de se faire entendre. Et pour cela, ils doivent correctement prononcer les langues des réalités qu'ils se veulent, dont ils se veulent les porte-parole, avec le choix sur l'histoire, ses complexités, où se mêlent l'économique, le social, voire l'environnement géopolitique. Aussi, qu'il soit simple ou composite, les indicateurs statistiques restent-ils toujours une expression nécessairement partielle et relative de ces réalités complexes. Quand ils sont le produit d'une collectivité nationale et qui
qu'il s'adresse à ses membres, ces indicateurs n'en restent pas moins des références incontournables pour mesurer dans leur diversité la compétitivité des économies, les niveaux de satisfaction des besoins sociaux, les écarts entre objectifs et réalisation des politiques publiques dans tous les domaines. Mis à la disposition des opinions publiques, il constitue pour cela, de ce fait, un facteur de démocratisation de la culture économique et de promotion d'une culture, d'une citoyenneté participative. Mais il peut, et par le choix d'une économie de marché, résolument ouverte sur la mondialisation, avec une volonté politique active de maîtriser les effets excessifs de cette mondialisation par un effort soutenu, parfois laborieux, de concilier croissance économique, réduction de la pauvreté, atténuation des inégalités sociales et territoriales, en pariant audacieusement sur une dynamique de réforme sociétale et institutionnelle pour promouvoir dans la durée un développement humain à vocation participative. Pour une meilleure connaissance de ces réalités et pour éventuellement les mesurer, nous disposons des données de la comptabilité nationale. Vous le savez, au rythme d'évolution particulièrement rapide de ces concepts et de ces méthodes, et la désagrégation continue que connaît sa structure, la comptabilité nationale s'affirme comme un outil particulièrement performant de mesure et une base comme un outil qui fournit des indicateurs particulièrement performants de mesure et constitue également une base riche de données qui permettent l'évaluation des performances d'une large gamme de domaines d'activité économique et sociale. Nous aurons donc l'occasion de recourir largement à ces données dans nos analyses et nos débats au cours de ces réunions. Certes, ces données ne sont pas en mesure, comme on le sait, de renseigner sur la distribution sociale des revenus et de la consommation des ménages, indicateur important dans le cadre d'une approche des performances du développement humain. On sait que le PIB par habitant n'en donne qu'une moyenne, dont la limite ont été trop souvent explicitées par différentes instances et sont suffisamment connues pour qu'il soit utile de revenir. Selon cependant, les enquêtes auprès des ménages qui permettent aujourd'hui d'appréhender ces données. Réalisées jusqu'à présent tous les 10 ans, parallèlement au changement de l'année de base de la comptabilité nationale, ils sont aujourd'hui appelés à se renouveler tous les 5 ans. Et de ce fait, ils nous offrent un outil privilégié pour une connaissance suffisamment fine et actualisée des structures sociales à l'échelle nationale, régionale et locale. Nous aurons, j'espère, l'occasion de vous faire part des analyses effectuées pour mieux approcher l'espace social sur cette base, en appréhendant les facteurs à l'origine de leur évolution
et à partir de là, mesurer les effets de la croissance sur les inégalités sociales et notamment les différentes formes de la pauvreté et de la vulnérabilité. Nous aurons également l'occasion de connaître l'usage spécifique que nous en avons fait, en particulier pour confectionner des indicateurs composites de développement humain, spécifiquement marocains, pour élaborer des travaux de modélisation à l'effet d'évaluer l'impact des politiques publiques sur la croissance et le développement humain, et sur un autre plan, de construire les scénarios qui s'offrent au Maroc pour réaliser à l'horizon 2015 les objectifs millénaires pour le développement. À côté des enquêtes régulières sur l'évolution des conjonctures économiques et sociales, nous pouvons également, nous aurons également à parler des résultats d'enquêtes plus lourdes entreprises pour mesurer au niveau territorial de base les comportements démographiques ou encore la répartition du temps disponible par sexe à, au niveau de ces niveaux. La première étude devrait nous permettre d'appréhender plus précisément les phénomènes et les événements démographiques. La deuxième doit constituer une base de données pertinente pour une nouvelle approche du domaine non encore bien exploré dans notre pays de l'aspect genre. Par des enquêtes spécifiques et à l'occasion de celles qui sont effectuées périodiquement, comme celles sur l'emploi, nous accordons de plus en plus un intérêt particulier à l'appréciation que portent les ménages sur la qualité de leur environnement économique, social ou administratif. Appréciation encore du niveau de leur accès aux services sociaux de base et leur demandant de s'auto-identifier eux-mêmes aux catégories sociales telles qu'ils perçoivent ces catégories dans leur milieu de résidence. Nous avons ainsi l'occasion de parler de ces éclairages croisés entre mesures objectives et perceptions des citoyens des conditions de vie de la population. Au moment, pour ne pas trop prendre de votre temps, je voudrais simplement, au moment où la pertinence et les limites des indicateurs statistiques sont soumises à un examen autrement plus expert sur le plan international, je voudrais mettre l'accent sur trois points. Le premier point concerne la nécessité, selon nous, pensons que le temps est venu où une nécessité s'impose d'une concertation entre les différents utilisateurs et diffuseurs des données statistiques pour éviter les discordances souvent constatées entre les indicateurs adoptés par des organismes régionaux et internationaux et ceux des pays concernés, bien entendu, lorsque ceux-ci disposent d'appareils statistiques fiables et pratiques des méthodes dûment validées. Cette approche serait aujourd'hui d'autant plus pertinente que se développe un certain scepticisme sur la crédibilité de la statistique. Et que se sont multipliés sous son label une multitude de données provenant souvent de prétendus sondages qui contribuent à
à la conclusion que les produits de la statistique suscitent parfois à l'occasion de leur publication. C'est dans un tel texte, ceci est d'autant plus que je pense qu'il faudrait évaluer le risque d'avoir le risque que ce débat peut avoir comme impact qui serait complètement différent sur la mise à niveau progressive et particulièrement onéreuse des pays en voie de développement. Et c'est le deuxième point que je voudrais soulever, qui concerne justement le coût de cette statistique. La statistique est très chère, une bonne statistique est très chère. Aujourd'hui, le coût de cette statistique devient encore plus élevé en raison de la fréquence et de la perte de changement des bases de la comptabilité nationale, ce qui implique d'actualiser pratiquement tous les 5 ans toutes les études lourdes qui se faisaient avant tous les 10 ans. C'est un prix que les pays en développement doivent payer pour se conformer aux recommandations internationales et maintenir ou élever le niveau déjà très faible de leur appareil statistique. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici la crainte que le développement que connaissent et sont appelés à connaître les statistiques, que ce développement n'accentue le décalage déjà important entre les pays en développés et les pays en développement, produisant ainsi un supplément de frustration parmi ces derniers. C'est pour cela que je saisis cette occasion, comme j'ai eu la possibilité de le faire à Poussin, au troisième forum mondial de l'OCDE, de lancer un appel pour que l'aide internationale puisse s'intéresser pour renforcer les capacités des pays en développement dans le domaine de la statistique et en contribuant par là à une meilleure connaissance de leur peuple des conditions dans lesquelles ils fournissent leurs efforts pour le développement et de contribuer également à développement humain et à la démocratisation dans ces pays. Je vous remercie. Et je vais, sans tarder, donner la parole à nos intervenants qui étaient prévus. Et je voudrais donc commencer par remercier le Programme des Nations Unies pour le développement. Le remercier parce que c'est un partenaire traditionnel du Maroc et un accompagnateur du Haut-Commissariat au Plan par le biais aussi bien de sa représentation dans notre pays que par le biais de ses différents organes centraux à New York.
Je voudrais le remercier encore parce que cette réunion a été convenue en accord avec le Fils. Et à la suite de débats qui n'ont pas cessé et de dialogues fructueux qui n'ont pas cessé de nous lier au Fils. Mes remerciements vont également à toute la coopération qui ne nous a jamais refusé sur tous les domaines, aussi bien dans le domaine de nos travaux statistiques, mais aussi et surtout dans plusieurs des études que nous avons menées, et notamment les études de prospective. Et je ne le remercierai pas pour la présence de M. Soumir Saïgal et les représentants précédents et actuels du CNUD au Maroc, parce que cette réunion, nous avons eu la chance de l'organiser en partenariat. Et donc, à tout Seigneur, tout honneur, je voudrais donner la parole à notre partenaire, représentant de notre partenaire, à M. Sonil Saïga, qui est le directeur du bureau régional des États arabes du CNUD, que vous veuillez bien prendre la parole.